peux pas faire de... J'ai jamais vu. T'occupes. C'est toi quoi? Ouais. Maman, c'est assez déstabilisant. Ça vous plaît pour l'instant? Quoi? Ça vous plaît pour l'instant? Ah oui, c'est super bien fait. Bien, alors je vais arrêter la musique et vous pouvez le voir sur scène, ça bouge et ça va même bouger fort. À toi Laurent. C'est Laurent. Ah, mais c'est pas... Non, c'est Laurent qui fait du... Oh, bah ça... Laurent qui pratique donc le judo, l'aïkido et Chloé. Et le combat. Bonjour. Et moi. Moi aussi, je fais du judo. Technique d'autodéfense. Ça va être sur celle. Non, ça ira. C'est pas très pratique avec les volants. Ce sont des tuiles plates. C'est ça? Jujitsu, pas Aikido. Il va me défoncer la tête quand il va sortir. Je vais mourir, je vais faire partir sans les dents. Je me sens bien, mais en fait non. C'est moi qui fais de l'Aikido, j'ai oublié. Et donc il fait du jujitsu, hein. C'est ce que l'on appelle la casse active. C'est lui qui casse les matériaux.
si vous cherchez une entreprise de démolition, je peux vous adresser au gardien de l'anneau, vous demandez Laurent. Si vous avez des problèmes de voisinage, Laurent. Éventuellement, le ménage, Laurent. Un homme à tout faire. Présentateur, il est un peu bizarre. Et Bruno, son assistant, qui est Christophe d'ailleurs. Je suis complètement à l'ouest. Christophe, ceinture orange. Et c'est qui le monsieur avec la ceinture bleue? Que je donne son nom. Pascal. Alors maintenant, on peut applaudir Pascal. Et Christophe qui t'assiste brillamment. Voilà. Vous voyez, mesdames, quand vous faites le ménage chez vous, si vous avez des rideaux, hop, on repère. Ça vous plaît? Bon. D'accord. Tu fais du rap en plus. Donc en plus, il fait du rap. Et là, pour le coup, il a fait du rap avec un morceau de tuile et... Et je voulais prévenir que les personnes sensibles à la vue du sang ne doivent pas s'inquiéter, il s'est juste coupé un petit peu. C'est rien, ça va aller. C'est juste, voilà, c'est juste le morceau de tuile qui est rentré dans la manche, télescopé, et voilà. Mais c'est pas grave, hein. T'as plus de crayon ? Il a 2 jours pour se faire opérer, après il perd le bras, pour le moment il n'y a pas le feu. 2 jours. Oui, ça va, il tient le feu. Voilà, et donc là maintenant on va passer à la casse passive. Alors ça veut dire qu'il va s'allonger sur le dos, tranquille, il fait la sieste. Et là, il y a un fou, on ne sait pas pourquoi, il va poser 2 plaques de béton sur son ventre, il va les casser avec une masse. On ne sait pas pourquoi. Mais faites bien le ménage qu'il n'y ait pas encore un bout de tuile qui aille se promener. Hein. Voilà. Et alors là, je vais m'adresser au jeune public, aux enfants. N'essayez pas ça chez vous. Jamais. Ni avec la vaisselle de maman, ni avec des cailloux qu'on tourne dans la cour, ça fait mal. D'accord ? Laurent est entraîné, hein, c'est un professionnel. Voilà, 80 kilos de béton. Deux plaques de 40 kilos chacune. C'est bon, personne n'est blessé, à part les tuiles. Ah ben alors, hein. Et bon, je crois qu'on peut les applaudir encore une fois. Je sais qu'après avoir fait le ménage, ils vont venir vous saluer. Mais moi, j'aime bien les applaudissements et je crois qu'ils méritent tout à fait d'être félicités pour cette performance. Bravo Laurent. Voilà, plus, moi, j'adore les voir balayer. Ils font ça tellement bien. Sérieux, vous avez une carrière, les gars, là, droit devant vous, hein. Entreprise de démolition et nettoyage. C'est bien.
Il balaye. Voilà. Bravo. Merci. 10 minutes et 20 secondes.